regardez Coffee Break French. Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Coffee Break French to go. La question d'aujourd'hui est la suivante. Où habites-tu? Plus formel, où habitez-vous? Je répète, où habites-tu? Plus formel, où habitez-vous? Regardons ensemble ce que les gens ont répondu. J'habite à Pornic. J'habite à Bruxelles. J'habite au Clion-sur-Mer, au sud de Pornic. J'habite près de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire. J'habite dans la banlieue de Saint-Nazaire. J'habite dans la banlieue de Paris. J'habite dans les Yvelines. À côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. J'habite en France. J'habite à Sèvres, en France. Donc j'habite à Fresnay-en-Retz et j'aimerais habiter en Bretagne. J'habite à Bourgneuf-en-Retz et j'aimerais habiter à l'étranger. Alors du coup, comme je viens de vous le dire, je viens de Nantes, en plein centre-ville. J'habite à Trélières, c'est à côté de, c'est un petit village à côté de Nantes. J'habite à la campagne, dans une maison, dans un petit village qui s'appelle La Bonneville-sur-Iton. À Floraine, un petit village en Belgique, dans le sud de la Belgique. Nous venons de Ville-d'Avray, à côté de Paris. Et nous habitons une grande maison, ici à Sainte-Marie-sur-Mer. Pas mal ces réponses. Regardons ça encore une fois, mais cette fois-ci avec les sous-titres. J'habite à Pornic. J'habite à Bruxelles. J'habite au Clion-sur-Mer, au sud de Pornic. J'habite près de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire. J'habite dans la banlieue de Saint-Nazaire. J'habite dans la banlieue de Paris. J'habite dans les Yvelines. À côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. J'habite en France. J'habite à Sèvres, en France. Donc j'habite à Fresnay-en-Retz et j'aimerais habiter en Bretagne. J'habite à Bourgneuf-en-Retz et j'aimerais habiter à l'étranger. Alors du coup, comme je viens de vous le dire, je viens de Nantes, en plein centre-ville. J'habite à Trélières, c'est à côté de, c'est un petit village à côté de Nantes. J'habite à la campagne, dans une maison, dans un petit village qui s'appelle La Bonneville-sur-Iton. À Floraine, un petit village en Belgique, dans le sud de la Belgique. Nous venons de Ville-d'Avray, à côté de Paris. Et nous habitons une grande maison, ici à Sainte-Marie-sur-Mer. Super! Alors moi maintenant, j'ai une question pour vous. Où habitez-vous? Très bien! Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour un autre épisode de Coffee Break French to go. Salut!